Bonjour ou rebonjour pour les personnes qui ont vu la vidéo précédente où je parlais plus ou moins un peu de la permaculture et que je voulais plus faire de la biodiculture pour ne rentrer en conflit avec personne. Je ne vais pas m'éterniser dessus. Là, je vais vous présenter mes objectifs. Nos objectifs à nous. Notre objectif, le premier, c'est d'abord de manger frais toute l'année. Qu'est-ce que c'est pour nous manger frais? Pour nous, manger frais, c'est direct. J'ai pas fait exprès, mais il y avait une phrase là. Direct de la cueillette à l'assiette ou à la bouche. C'est ça, manger frais. Manger frais, c'est pas forcément les trucs qui viennent du jardin. Là, par exemple, nous, on a des fèves qui sont stockées dans le congélateur depuis 3 mois. Quand on va les ressortir pour faire un petit potage, ce sera pas pour moi, ce sera pas forcément manger frais. Manger frais, c'est vraiment de la cueillette à l'assiette. Donc voilà, ça, c'est un premier objectif. Pour atteindre ce premier objectif, il faudra forcément changer nos habitudes. En plus de changer nos habitudes, il faudra voir d'autres horizons, d'autres cultures. Comme nous, par exemple, bon, ça, vous allez me dire, ça va être facile pour moi parce que je suis asiatique, donc ça va être facile pour moi de me rapprocher de la culture asiatique. Mais je ne suis pas rapproché que de la culture asiatique. Je me suis rapproché de plein, plein, plein de cultures parce que la marrante, c'est finalement, si vous regardez bien, c'est pas les Asiatiques qui mangent vraiment la marrante. Bon, bref, il faut, pour atteindre l'objectif de manger frais toute l'année, il faut voir pas mal de cultures. Je parlais du Japon. En hiver, décembre, janvier, février, il n'y a pas grand-chose qu'on peut manger, mais pourtant, on peut réussir à faire sortir des pousses, telles que des pousses de moutarde. Ou des pousses d'autres choses. Après, comme nous, on est en France, on va sortir aussi pendant l'hiver, on va sortir des poireaux. Mais ça, c'est normal. Mais je veux dire, pendant l'hiver, si on mangeait frais, il y a presque une impératif de devoir mélanger toutes les autres cultures et regarder, voir ce qui se passe ailleurs, quoi. Donc voilà. Un autre objectif aussi, ça serait par rapport cette fois-ci au jardin, plus concrètement, ça serait de pouvoir produire au maximum nos semences. Donc pourquoi est-ce que produire nos semences? Parce que les semences, les graines qui vont sortir de cette terre-là, elles seront peut-être plus adaptées à cette terre. C'est ce qu'ils nous disaient les autres. Ils disent oui, elles seront adaptées et tout. Moi, je préfère utiliser le terme peut-être, parce que bon, c'est pas. Voilà, il y a ça. Pour ce faire, il y aura plein de choses à faire, ou que par la suite, il y aura plein de choses à faire. Ça veut dire que moi, je voudrais aussi faire mes propres pousses, parce que pour l'instant, j'en achète pas mal quand même, mais faire mes propres semences et aussi ben, les utiliser. Quoi dire de plus? Faire mes propres plants, quoi. Un deuxième objectif que je vais commencer maintenant, là, ce qui est un peu étrange, parce que normalement, tout le monde a déjà quelque chose de placé dans le jardin. Mais là, ce qu'on va faire, c'est commencer à mettre en place quelque chose de vraiment permanent. Des buts permanents auxquels on ne va pas du tout toucher. J'en ai tiré ma conclusion, comment moi je vais les travailler, que je vais partager. À la base, il faut quand même tenir en tête que toutes ces vidéos-là, c'est avant tout pour mettre en forme mon observation et mon étude, si on peut dire ça, si on peut vraiment appeler ça une étude. Donc aussi pour moi c'est une étude. Pour mettre en forme tout ce que j'ai fait, et aussi en mémoire, pour ne pas oublier, parce que bon, il y a des choses que j'ai fait il y a 2 ans, que j'ai un peu oublié, c'est dommage, que je voulais faire là. Donc voilà. Donc on va installer des parties permanentes que je vais vous présenter. Donc voilà, ça c'est nos objectifs à nous. Donc maintenant, pour parler des parties permanentes, on va partir visiter certains petits coins. Alors, les petits coins permanents, ce que j'appelle les petits coins permanents. Je vais vous présenter une petite zone, là ça va être plus simple, plus concrète. Les coins permanents, ce sont des endroits où ça va être des plantes qui vont être là tout le temps. Tout le temps, comme des arbres fruitiers ou des choses comme ça. Parce que moi, ce que je fais, c'est pas forcément un potager en fait. C'est un jardin que je fais. Donc c'est quand même. C'est pas pour. Je sais pas comment expliquer. C'est que dans un potager, il n'y a que le potager. Donc on fait quelque chose pour manger. Et là, dans le jardin qu'on fait, on le fait, mais on y vit. Vous voyez? Moi j'ai une terrasse, elle est en plein milieu, pour les gens c'est un potager parce qu'elle est entourée de plantes qui se mangent, telles que des tomates, comment ça s'appelle, du concombre, des cornichons, plein de trucs, des haricots, plein de trucs qui se mangent,
Donc forcément pour les gens c'est un potager maintenant, mais pour moi en fait c'est plus un jardin. Donc je ne sais pas, je sais pas comment dire. Donc il faudrait que je trouve un mot pour exprimer ça. Mais en fait les gens ils vivent dans leur jardin, quoi, ils vivent dans leur jardin. Je veux dire, ils profitent de leur jardin. Moi je profite, on va dire, du potager. Donc c'est un potager jardin. Puis, je sais pas. Un potager. Donc voilà, donc là les parties permanentes que je vais faire ici, c'est une butte là que j'avais faite, mais vraiment en permaculture, celle-là par contre. Donc ça veut dire qu'en dessous il y avait du bois. Ben aussi parce que j'en avais du bois. Hein. La permaculture, faut quand même trouver le matériel, tout ça. Bon, bref, là j'avais du bois, j'ai mis de la terre, le bois il se trouve en dessous, et j'ai mis mes groseilles. Et les groseilles, ça fait 3 ans qu'ils sont là. Et voilà, c'est quelque chose de permanent. Et après en paillage, donc là j'ai enlevé, parce que je vais mettre en paillage, ça va être des fraisiers. Les fraisiers, ça revient tous les ans. Après, c'est vrai que j'aurai peut-être pas des grosses fraises, mais je veux dire, je fais pas de culture de fraises, quoi. Je veux dire, il y a des gens qui vont faire des cultures de fraises, ils disent, mais là, je vais mettre des fraises, je vais ramasser des fraises. Là, je vais mettre des fraises. Si je ramasse des fraises, c'est tant mieux. Mais pour l'instant, le fait de raisonner comme ça, j'arrive toujours à ramasser un petit peu de fruits quand même. Donc, je vais continuer dans cette lancée. Une autre partie permanente que je vais vous montrer, on va aller faire un petit tour tout de suite. Alors voici notre haie, une haie comestible que j'étais en test. En 2 ans, il y a eu 2 récoltes, on va dire, parce que cette année, il y a eu les fèves. Je vais vous montrer en photo. Donc elles montaient quand même assez hautes, mais pas assez, parce que normalement les fèves, ça peut monter assez haut apparemment, mais les nôtres, elles ne sont pas montées assez haut. Il aurait fallu que je travaille un peu plus la terre. Oui, parce que la permaculture, c'est ça, je pense qu'il faut travailler la terre avant. Et après avoir travaillé, il y a mon travail à faire. Là après ce qui s'est passé après les fèves, il y a les haricots. Là on est un peu déçu parce que là il n'y a rien, donc on n'est pas si caché que ça. Par contre là vous pouvez voir qu'elle tire extrêmement la gueule, il n'y a pas trop d'eau, mais j'oublie pas mon objectif. Enfin, nos objectifs c'est quand même, on est 2 sur le toit et c'est de se nourrir à 2. Si on a un surplus on donne, ça c'est sûr, mais si on n'a pas de surplus, c'est pas nous qui allons réclamer le truc. Aussi, on réclame le truc, mais c'est la terre qui décide, hein, et de la façon qu'on travaille. Et nous, de la façon qu'on travaille, on travaille au plus simple, elle tire la gueule. Il y a d'autres plantes qui tirent la gueule, donc on va vous montrer. Donc voici une haie. Là, pour l'instant, c'est que composé de plantes saisonnières. Donc voilà, les haricots, avant c'était les fèves. Une fois c'est venu, c'est plus là. Il faut toujours, toujours aller toujours retravailler. C'est pas forcément des choses qui s'auto-sèment, donc qui reviennent tous les ans. L'année prochaine, ce qu'on va faire là, c'est ce que je parlais, justement, quelque chose de concret. On va faire quelque chose de permanent. Donc là, la topinambour, pour les gens qui ont déjà fait la topinambour, ça revient tous les ans. Et en plus, ce qui est bien, contrairement à la topinambour à la patate, ça se conserve très bien dans la terre. On n'a pas besoin d'essayer de tout enlever. Donc voilà. Ça fait 2,50 m de haut, je crois, si je ne me trompe pas. Ça fait une fleur magnifique qui ressemble au tournesol. Donc ici, ça va être toute une ruée de topinambour. Mais après, vous allez me dire, mais pendant l'hiver, je serai pas caché. Franchement, pendant l'hiver, je prends rarement des cafés sur ma terrasse dehors, quoi. Mais bon, voilà. Et je pense même l'année prochaine, quand la topinambour va grimper, je vais peut-être faire au pied de tout ce qui est grimpant, des petits pois ou des haricots grimpants, je verrai bien. Mais en tout cas, ici, ce sera tout le temps de topinambour. Ça, je pense que c'est sûr. Peut-être un peu mélangé avec comment ça s'appelle? Avec Des murs. les murs sans épines là. Donc voilà. On va faire un petit tour de l'autre côté. Alors là, voilà chez un ami. On a récupéré, chez un ami agriculteur, là, on a récupéré du copeau de bois. Donc voilà. Et avec ce copeau de bois là, en fait, je vais travailler ma terre principalement avec ce copeau de bois là. Je vais faire une butte, mais à ma façon. Ce que je vais faire, je vais mélanger la terre avec du bois, avec le copeau de bois. Et au-dessus, je vais faire un paillage. Mais je vais mélanger quand même une assez bonne épaisseur, presque de l'épaisseur de la taille du bois, du seau. Je pense que ça ne payera pas tout de suite, mais avec le temps. Ça finira par payer parce que tout ça va commencer à se désintégrer, tout ça. Mais pour gagner un peu de temps, je pense que je mettrai un peu de terreau et puis mélanger un peu avec de la terre. Donc ça sera tout ça sur une autre vidéo. Comment je vais travailler ma terre et comment est-ce que je vais travailler justement pendant ces 12 années, pendant ces 12 mois.
Donc ça veut dire du mois d'août jusqu'au mois d'août prochain. Donc vous allez voir. Je vais faire ça petit à petit, hein, doucement. Parce que là j'ai tenté, c'est que là du coup on va faire quelque chose de concret, quelque chose de permanent. Donc allez, on va voir l'autre côté. Alors ça c'est une butte là que j'ai commencé à refaire. Et cette butte là, elle va rester tout le temps permanente. Donc là j'avais commencé justement à creuser sur une bonne épaisseur. Que j'ai mélangé avec du bois, avec le copeau de bois, là, avec le fameux copeau de bois. Ce qui est bien, le copeau de bois, je pense que même si on le tasse, avec le temps, avec le gel, la pluie, tout ça, le bois il va gonfler, dégonfler, gonfler, dégonfler, donc il va toujours permettre à la terre d'être, on va dire, aéré, quoi. Ça, je pense que c'est sympa. J'y ai mis pour cet hiver de la chicorée, comme là, vous pouvez le voir, il y en a quelques-unes qui sont fait manger par les lapins. Elle réclame de l'eau, hein, ça c'est sûr. Mais comme je disais, en fait, de faire travailler comme ça, faut pas être trop impatient. Il faut attendre que le bois se décompose un peu. Donc c'est pour ça qu'il faut le mélanger, je pense, aussi avec, comment s'appelle, du terreau ou de la bonne terre. En travaillant un peu la terre, j'ai vu qu'il y avait des trucs qui se revenaient tout seuls. Je sais pas ce que c'est, ça c'est de la courge, on dirait. Je ne pensais pas que ça va donner grand chose parce qu'on est au moins. On est le 6 août. Au milieu, c'est une partie où j'ai mis pas mal de petites bulbes, qui sont pour après, je ne pourrai pas atteindre. Donc je vais laisser se pousser à sauvage, on verra bien. Un peu plus loin. Ici, j'ai mis la chicorée. Au même moment que l'autre, vous pouvez voir que là, elle est carrément plus belle. Mais je pense que dans un travail durable, là-bas, ça sera beaucoup mieux. Là, par contre, comme vous pouvez le voir, il faut absolument que j'arrose. Alors, faut absolument arroser, quoi, elle tire trop à la gueule, parce que tout ce qui est salade, donc ça veut dire légumes à feuilles, elles vont grimper. Elles vont faire des graines, elles vont grimper et elles vont faire des graines. Mais là, vous voyez, pour le voir, chez moi, ça tire vraiment la gueule. Il va falloir que j'arrose. Ici, avant, il y avait du blé, parce que je trouvais ça chouette. Une fois que j'ai enlevé le blé, ben, c'était assez tassé. Donc voilà pourquoi, ce qui explique pourquoi est-ce que c'est un peu à nu. J'ai pas fait de paillage parce que justement j'ai balancé des graines comme ça à sauvage et j'ai mis aussi des graines de pour cet hiver, des graines de à bulbe de fenouil, de fenouil à bulbe. Donc voilà, bah c'est tout, je pense qu'on a fait un peu le tour. Oui, je vais vous présenter mon coin que je vais faire aquaponie, le coin aquaponie. Alors ici, c'est le coin aquaponie. Donc là, j'avais fait à la base un bassin. J'ai arrêté tout de suite parce que je me suis rendu compte que, en fait, j'avais joué sur un jeu de niveau. C'était chouette, hein, franchement. Il y avait un petit pont asiatique, là, un petit pont japonais. C'est assez chouette. Au milieu, il y avait un bananier. Franchement, ça donnait pas mal. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait une déperdition d'eau assez importante à cause de ce jeu. De différence de niveau. Donc j'ai arrêté pour le rechanger, pour faire quelque chose de. Bah, pas de mieux, mais en termes de déperdition d'eau, beaucoup mieux. Ici, il y aura donc la fontaine, avec on voit un bac de décantation d'eau. Ici, il y aura, j'ai vu sur des vidéos où les gens ils faisaient de l'aquaponie avec des cuves de récupérateurs. Donc là, je pense en mettre deux ou trois, voire, ce serait bien. Qui seront, et tout ça, ça sera relié en fait sur un même système. Donc là, c'est le coin aquaponie. Et comme pour le potager ou pour le jardin potager, c'est un endroit où je veux profiter, ça veut dire y vivre, être tranquille. Quoi dire de plus, hein, franchement, c'est vrai que nous, on aime bien manger. Il y a des gens qui mangent sur une pelouse. Voilà. Nous, on mange, on est en plein milieu de nos courgettes, tomates, la terrasse. La terrasse qui est à côté du bassin, elle est en plein milieu de courgettes, tomates, basilic, tout ça. Bon, et en plus, l'avantage, c'est que franchement, quand on veut du basilic, on se déplace vraiment pas loin, on se penche un peu, on casse une branche et c'est fait. Et non, mais c'est vrai en plus. Donc, ça, c'est génial. Et voilà un peu l'esprit de ce qu'on veut faire. Je pense que j'ai tout dit. Ah, je vous remercie. Allez, au revoir, bonne journée à vous.